Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour un nouveau vlog. Il est 8h30, je pense. On est levé depuis 7h30, depuis une bonne heure. Et on est genre samedi, ça fait longtemps que je vous ai pas pris. Genre samedi, deux semaines après le vlog que vous avez vu. Parce qu'il a clairement pas fait beau. Il y a eu genre 2-3 jours de beau durant la semaine. Et c'est tout, sinon il faisait pas beau. Donc du coup on est resté tranquille à la maison. Enfin voilà, on a fait notre petite vie. Aujourd'hui il fait un peu mieux je trouve, mais je pense qu'il va quand même pleuvoir dans la journée. Ce matin, comme tous les matins, j'ai fait la vaisselle, j'ai rangé un petit peu l'appart et enfin la maison. On va pas tarder à manger. Je suis dégoûtée parce que j'avais mis mon linge et ça a plu toute la nuit, donc il est trempé. Dégoûtée quoi, dégoût de daronne. Et je pense que tout est encore plus trempé que quand je l'avais mis à la machine. Je pense que je vais devoir refaire une machine de tout ça. Bref, je crois que je vais tout refaire une machine parce que dans tous les cas, j'ai des trucs à laver, donc je crois que je vais faire une machine de tout. Allez hop! Elle est bien chargée là, la machine. Mais il y a un gros réservoir, donc ça va. Ce matin, c'est porridge, banane, chocolat. Pour Martin, si. Bon, j'ai pendu le linge du coup que j'avais mis ce matin. Bon, maintenant, dès qu'il y a de la pluie, il faut que je pense à tout dépendre. Ah. Bon, aujourd'hui, on n'a rien de prévu, juste on doit aller en course pour acheter notamment des œufs, puisqu'en fait, on a oublié les œufs sur le tapis quand on a fait les courses la dernière fois. Et nous, on mange beaucoup, beaucoup d'œufs. En fait, c'est pas des tapis roulants comme en France. Et du coup, quand t'as mis tous tes trucs, enfin, c'est la caissière qui passe. Et ça nous arrivait deux fois qu'elle oublie en fait un article qui était, je pense, un peu trop loin ou je sais pas. Donc, on doit aller acheter des œufs et de l'eau, puisqu'on a bientôt plus d'eau. Et ici, l'eau n'est pas potable. Et j'aimerais bien aussi aujourd'hui courir mon premier 10 km. Puisque j'ai fait il y a 3 jours, je crois, j'ai couru pendant une heure. J'avais comme objectif de courir une heure et du coup tranquille, vraiment tranquille pour pouvoir tenir sur la durée. J'avais jamais fait de course d'une heure et j'ai couru genre 8,7 km je crois. Et du coup je me sens prête à courir les 10 km. Je me dis que en vrai je pourrais réussir. Donc voilà un petit peu l'objectif du jour. Alors là. Ok. Aujourd'hui, je courrai mon premier 10 km. Moi en fait je vis avec des objectifs et souvent j'ai un objectif pro et un objectif sportif. Cet été je suis partie toute seule avec un sac à dos marcher pendant 3 jours et une tente. Et après ça je me suis dit ok, il me faut un peu de peps. Et donc je me suis mis à courir. J'ai des problèmes aux articulations, donc ça faisait clairement, je sais pas, 5-6 ans que je n'avais pas couru. J'ai commencé il y a moins de 4 mois. La première fois que j'ai couru, j'ai mis 16 minutes pour faire 2 km. Honteux. Et ça, c'était il y a moins de 4 mois. Et durant ce temps-là, j'ai rénové un appartement. Et donc, j'étais pas non plus à fond, genre dans la course. Donc là, je suis au Brésil et je me suis dit, ok, quand je reviens, je veux m'inscrire à une course. Et donc, ça passe par réussir mon premier 10 km. Je n'ai absolument jamais couru de 10 km de ma vie. Comme ça, c'est dit. J'ai même pas mes chaussures pour courir parce que j'en ai qu'une paire ici. Bon, on est à la plage. Eux, ils vont jouer ici et moi, je vais aller courir du coup. Il y a un petit peu de vent, mais il ne pleut pas. Mais vu comme il fait pas beau, j'ai peur qu'il pleuve durant ma course. Purée, j'ai réussi, je suis trop fière de moi. J'ai un peu galéré, on va dire à la 7-8ème minute, parce que j'ai voulu accélérer un peu. Et après je m'y suis remis, j'ai fini du coup, on va pas dire tranquille, mais bien. Mon souffle était bien, c'est juste que j'avais un peu mal aux jambes. J'ai fait du coup 10 km en 1h03. Je voulais faire en moins d'une heure. Mais bon, ça sera la prochaine fois. Je suis déjà très contente pour un premier 10 km. C'est bien. J'ai tout sur l'appli, c'est plus complet. Donc j'ai fait en 1h03, 10 km et 582 calories. Bon, ça on s'en fout. Bon, j'ai pris le temps de me reposer. J'ai déjà mal aux jambes. Et il est midi et quart. Donc on va regarder pour manger. Et finalement, il fait pas dégueu. Le ciel est bleu, il n'y a pas énormément de soleil, mais il fait bon. Donc c'est plus agréable qu'hier où il y a plus toute la journée. On va aller en course, aux courses, en bref. J'ai dépendu un petit peu le linge parce que le temps s'est un peu couvert et j'ai peur qu'il pleuve pendant qu'on est en course. Donc j'ai bon, j'ai laissé ce qui était pas encore sec, mais tout ce qui est sec j'ai dépendu. Au moins c'est sûr qu'on va pouvoir
les porter dans les prochains jours. C'est super désagréable, j'ai les chaussures mouillées parce qu'en fait quand je cours au bord de la plage, il y a beaucoup de grandes allées d'eau en fait, donc que je dois traverser. Donc, c'est pas très très profond, enfin, c'est même pas profond en fait, mais juste ça me trempe les pieds. Et là du coup j'ai les chaussures mouillées, ça a pas eu le temps de sécher depuis ce matin, donc c'est un peu désagréable. Martin est largement capable de marcher, mais on va quand même prendre la poussette. Ça ne nous fera qu'à 10 de course. Oui, monsieur. Monsieur qui, pareil, petit Martin qui met des bottes. Merci, mon chat, de m'aider. Il met ses bottes parce que ses chaussures sont aussi mouillées. C'est quoi ça? Il y a plein de trucs pour faire des gâteaux. Je crois qu'ils aiment bien la gélatine aussi. Hein. On est vraiment des bourriques, regardez ma peau là, je vais perdre ma main. Chaque fois qu'on revient, ils mettent 15 000 sacs et en plus là, ils ont embauché un monsieur qui s'occupait à mettre tout dans des sacs et dès qu'on mettait pas dans des sacs, il était subjugué. Donc vraiment tout, genre la salade, elle a un sac. Genre mon pain à burger, il a un sac pour lui. Bref, là c'est le chemin qu'on prend pour rentrer du coup et genre en face, il y a l'océan et c'est trop trop beau. Et j'ai pris plein de trucs pour faire une dégustation. Il y a des chiens, tout le monde a des chiens ici. À chaque fois on se fait la remarque, mais tout le monde a des toutous. J'ai acheté plein de trucs pour faire une dégustation, mais je pourrais faire plein de parties. Je pense que je referai une autre partie et je vais en faire une vidéo YouTube, je pense, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, notamment dans les boissons. Il y a des boissons spéciales dans les gâteaux. Enfin bref, donc j'ai pris plein de trucs différents pour faire une dégustation. Et ce soir, on a décidé de faire des burgers. On avait acheté des steaks hachés la dernière fois. Bon, les steaks hachés, c'est vraiment des steaks hachés McDo, ils sont tout fins, mais bon, on a trouvé que ça. Et par contre, le pain a l'air très bon, il est très moelleux et tout. Donc ce soir, c'est steak haché hamburger frites. Et au-delà du fait que tout le monde ait des chiens, il y a beaucoup, beaucoup de chiens dans la rue. C'est pas un chien errant, ça, je pense. C'est pas un chien errant, mais si. Mais si, il n'a pas de maître. Bah, je sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de chiens quand même errants. Peut-être pas lui, mais il y en a. Regarde, si, ça fait un moment qu'il est dehors là. Regardez quand même, on avance là. Vous voyez les vidéos trop stylées où les gens ils font du vélo ou du skate. Je rêve de faire la même vidéo, mais je ne sais pas faire du skate. Enfin, en tout cas, pas suffisamment bien pour descendre cette descente. Et j'ai pas de vélo. Mais je rêve de faire une vidéo où on descend à toute allure là et on filme. Je trouve ça trop stylé. Parce que là, attendez, vous allez voir. Regardez, là il y a une grande descente. Et genre vraiment, ça fait trop stylé avec l'océan. Il y a le coucher de soleil là. Je rêve de faire une vidéo. Mais je pense que je la ferai genre en courant avec une robe d'ici la fin du voyage. Ouh là 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 là. On va se faire avoir. Oui, je vous ai pas dit, j'ai bien fait de récupérer le linge. Il n'y a plus une averse de ouf. Donc j'ai bien fait d'enlever les habits secs. Bon, du coup j'avais quand même laissé des trucs qui étaient encore mouillés. Et ben c'est d'autant plus mouillé. Petit avant-goût, tout ça c'est à tester. Genre vraiment, il y a des gâteaux, de la sauce, des boissons, des céréales, enfin, tout ça. Et on a pris un gros bidon d'eau. Purée. Bon, faut plier le linge que j'ai dépendu là. Bon, ce soir du coup, comme je vous ai dit, c'est burger. J'avais oublié. Mais il n'y a plus que ça comme tomate, donc bon, voilà. On a besoin, ketchup il est en haut, mayonnaise, regardez la mayonnaise, sérieux. On est où là? Steak, regardez l'épaisseur des steaks. Steak, frites, enfin voilà quoi. Un burger, ils ont l'air trop trop bons. Les burgers, ils étaient tellement fins. On a fait deux étages. Po po po, c'est costaud hein. Et Martin lui a écrasé un peu le pain pour que ça soit plus facile pour manger. On a mangé des sacrés burgers, j'ai trop mangé. Je suis en PLS, je rêve de dormir, là, de me poser sur mon lit, j'ai trop mangé. Et toute la journée, je crois que j'ai trop mangé, je suis vraiment ballonnée. Loca, Loca est la vida. Wow. Monsieur, mesdames, approchez-vous, c'est gratuit. Gratuit. C'est gratuit. Bon, il est 21h30, je me mets au lit. C'est pas du tout une collab avec Dr Smile, ce vlog, mais je voulais trop vous en parler. Ça fait genre un mois que j'ai mes gouttières. Vraiment, mes dents, elles ont vraiment bougé. Là, ce que j'ai, c'est du sang parce que
je me suis fait mal quand je me suis brossé les dents. Et vu que je l'ai remis direct après, ça... Bref. Et ouais, mes dents, elles ont déjà vachement bougé. Et que en un mois, je suis censée les mettre 22 heures sur 24, je crois. Et je vous avoue que par exemple, quand je vais au resto, des fois, je les prends pas. Parce que ici, l'eau, elle est pas potable et tout et tout. J'ai pas forcément d'endroit pour la rincer correctement. Donc, du coup, voilà. Il y a des jours où je suis un peu moins assidue. Mais sinon, dans l'ensemble, j'essaie quand même de faire les choses correctement. Et j'ai vraiment vu une différence au niveau de mes dents. Et j'ai trop hâte de vous montrer le résultat, quoi. Sur ce, ouais, je vais me poser au lit tranquille. J'ai bossé un petit peu là ce soir. Ouais, j'ai monté plein de vidéos TikTok, je suis à fond sur TikTok. Je mets un TikTok par jour. Et c'est des petits contenus en fait que je peux pas forcément mettre sur YouTube ou pas forcément mettre sur Insta. Donc ça me permet, voilà, de mettre les petites idées que j'ai quelque part. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous retrouve sûrement demain.